Gloire à Dieu. C'est bon de remettre ces instants dans la main du Seigneur. Parce qu'un homme ne peut rien apporter à un autre homme, si ce n'est des fois nos problèmes. On peut se parler de nos problèmes. On peut se parler de nos difficultés, parce qu'on a envie. Chacun de nous en différent, mais en vie. On peut se parler de nos problèmes. On peut essayer de s'encourager par un mot. On s'appuie sur les poules à aller. Il faut avancer. On peut essayer, et puis, et c'est légitime, on est des frères ensemble. Mais celui qui peut tout. Amen. Dieu. C'est Dieu. Amen. Celui qui connaît les cœurs, c'est Dieu. Amen. On connaît aussi les problèmes, nous on prie les uns pour les autres. Et dans chacune de nos prières, on met les besoins. On met les besoins de nos frères qui passent par des moments durs, difficiles, dans la souffrance. On le met parce qu'on le met dans les mains du Seigneur et on s'attend à Dieu. Amen. Je voudrais parler ce matin avec l'aide du Seigneur de la progression spirituelle. Nos attentes, nous en fond de Dieu pour nous. Nous-mêmes, personnels, pour nos foyers, pour nos maisons, pour nos enfants. On a des attentes, chacun de nous, on a vu peut-être des moments difficiles. On voulait voir la main de Dieu agir parmi nos enfants, parfois. Et puis, des fois, on voit le contraire, on le continue, on dit, mais il faut persévérer. Dans la parole, dans la foi, dans la parole du Seigneur. Parce que quand Dieu dit quelque chose, alors il l'accomplit. S'il y a de la foi dans nos cœurs, même si elle est petite, parfois, comme un grain de sève, si elle est petite parfois, la parole, elle peut la faire grandir. Et jusqu'au jour où le problème est résolu par Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est tout puissant. Parce qu'il est grand. Parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est mon Père. Parce qu'il est votre Père. Gloire au Seigneur. Amen. Lolo, il a chanté ce qu'on dit. Ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments difficiles, des moments de pleurs, des moments de comment et de pourquoi, à cause d'une situation qui dure, à cause qu'on ne voit pas le plan de Dieu pour nous, pour nos familles, même pour nos églises, parce que pour nos églises, on s'attend aussi au plan de Dieu. On attend que les âmes s'ajoutent à la maison de Dieu. C'est ce qui donne de la joie à nos cœurs. La progression spirituelle, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le désir de Dieu. Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On a besoin d'élargir les murs, même si elle est grande l'église là. On a besoin que, aussi dans nos maisons, ça s'élargisse, que nos enfants rentrent dans la grâce, que nos foyers soient épanouis dans le Seigneur. Il est Dieu, il est tout puissant, que le nom du Seigneur soit béni. On ouvre la parole de Dieu dans le livre des Deutéronomes, au chapitre 2, 6 et au verset 4. Écoutez ce qu'il est dit. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, elles seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Écoute Israël, notre Dieu, l'Éternel, est le seul Éternel. C'est notre Dieu. Il n'en a pas d'autre. Il est dans nos cœurs. Nous vivons la parole. Si nous mettons notre foi dans ses promesses, il est l'Éternel, le seul. Il n'y en a pas d'autre. Il est digne de louange et il est digne d'adoration. Il doit y avoir dans les enfants de Dieu, dans l'église de Dieu, de la confiance. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré que l'ennemi voudrait nous arrêter, il voudrait arrêter la progression dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises, à cause de toutes sortes de choses. Mais quand on regarde à lui, quand on regarde à Jésus, à l'auteur de la parole, à celui qui peut tout changer, tout transformer, alors la foi, elle se ranime dans nos cœurs. Et on s'attend au bienfait de Dieu, parce qu'il est Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Alors il parle de la parole. Il dit, tu l'enseigneras, tu l'inculqueras à tes enfants. Parce que c'est vital, c'est nécessaire, non simplement pour toi, mais pour eux. Pour ton entourage, pour ta famille, c'est vital, tu l'enseigneras, les œuvres que Dieu a faites dans ton cœur. Les œuvres que Dieu a faites.
tu as fait parmi ton peuple, parmi ta famille, tu l'enseigneras à tes enfants. Tu le rappelleras. Parce que ça vient de Dieu. Et quand Dieu fait des prodiges et des miracles dans la transformation d'un cœur, d'une vie, d'un homme pécheur, il en fait un serviteur de Dieu quand il grandit. D'un malade, il en fait un guéri, de quelqu'un qui vit dans les ténèbres, il devient un enfant de lumière. C'est l'œuvre de Dieu pour son peuple. Et malheureusement, il y a des combats. Il y a des choses qui devraient nous arrêter. Il y a des choses qui voudraient nous empêcher d'avoir pleinement la joie de notre vie avec le Seigneur. Parce qu'on voit nos soucis. Parce qu'on voit nos problèmes. Parce qu'on voit nos difficultés. Parce qu'on voit en réalité ce qui se passe autour de nous. Et parfois, il y a de la tristesse dans nos cœurs. Il y a parfois un certain doute dans nos cœurs. Jusqu'à quand, Seigneur? C'est ce que David disait. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon cœur et dans mon âme? Jusqu'à quand il m'oubliera plus sans cesse? Dieu n'oublie pas. Amen. Dieu voit, Dieu connaît. Et Dieu bénit. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, on le connaît. Il va dire, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il dit, soyez sobres, c'est-à-dire soyez modérés, faites attention, parce que vous avez un adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant. Qui se laissera dévorer, il y a une version qui dit ça, qui se laissera prendre dans ses filets. Et je pensais en réalité, Seigneur, chacun de nous, on a nos combats. Parce que l'adversaire est animé d'une grande colère pour le peuple de Dieu. Et voudrait arrêter la progression spirituelle dans nos maisons. Dieu va dire à Adam et à Ève, il va leur dire, il faut créer, multiplier. On a besoin de donner la vie dans nos maisons. Mais pour donner la vie dans nos maisons, il faut que nos cœurs soient remplis de la parole. Il faut que l'enseignement de Dieu soit dans nos cœurs. Non simplement dans nos cœurs, mais qu'il faut la vivre. Il faut qu'on vive le message de Dieu, afin que les autres puissent voir en nous le Christ, le Sauveur, le moyen de bénédiction. C'est lui qui bénit. Amen. C'est lui qui sauve. Amen. C'est lui qui transforme. Amen. C'est lui qui guérit. On le connaît. On le connaît. On a vécu des expériences avec le Seigneur. Mais Dieu veut nous le rappeler ce matin. Quand il y a adversaire, il y a combat. Quand il y a un adversaire, il y a combat. Et quand adversaire veut dire ça dans le dictionnaire. C'est celui qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est celui qui poursuit pour arracher les brebis de la maison de Dieu. C'est celui qui détruit. C'est celui qui égorge. C'est celui qui veut arrêter la progression spirituelle dans nos maisons. Il vient et il retire parfois les brebis de nos maisons. Et il y a la crainte qui est dans nos cœurs. On dit, mon fils, ma fille étaient dans la maison, aujourd'hui ils sont partis loin de la maison. Mais Dieu, par la parole, par la puissance, par l'autorité que Dieu donne à ses enfants, dans la prière et dans la foi, il transforme tout. Il ramène la brebis perdue. Il protège ceux qui sont dans la maison. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il nous aime, que le nom du Seigneur soit béni. Alors il dit, tu en parleras le matin, le soir, quand tu seras en voyage. C'est-à-dire, c'est la vie. Hein? Dans ta maison, tu te lèveras, tu coucheras, quand tu seras en voyage, tu en parleras toujours à tes enfants. Parce que c'est bénéfique. C'est la parole. Et quand Dieu a parlé, eh bien, il exécute sa parole. Quand Dieu parle, on doit lui faire confiance, mes frères. Amen. Quand Dieu parle, on doit lui faire confiance, mes sœurs. Quand Dieu parle, on doit donner de l'importance à la voix de Dieu. On la connaît, la voix de Dieu. Il dit, mais mes brebis connaissent ma voix. Ils ne suivront pas la voix d'un mercenaire. Elles connaissent ma voix, mes brebis.
Quand Dieu nous parle, on la connaît, la voix de Dieu. Comme une fois il nous a parlé, du coup on a vu ce que ce qu'il a dit, il l'a accompli pour nous. Parce que c'est la voix de Dieu, oui, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de notre Père. Quand on a besoin de quelque chose, eh bien, on peut lui demander. Peut-être qu'il ne donne pas toujours comme nous, on l'attend. Mais on veut attendre. Quand on demande, on veut attendre. Moi, quand j'étais dans l'émission, il y avait des petits chapitons. Et puis devant, il y a des petits, il y a des petits, il y a des petits, il vient toute la journée. Il vient demander. Et puis, avant la réunion et après la réunion, je sais que moi, mes petits et des petits, ils allaient venir me demander. Ils demandaient 1 euro, 2 euros, 3 euros. C'était préparé dans ma poche. Et à chaque fois, c'était préparé. Ils étaient dans ma poche, en vérité, c'était là. Je savais qu'ils allaient venir parce que c'était leur habitude. Et puis tous les petits mangeaient des glaces. C'était préparé. Pas une et une fois. Je ne répondais pas 2 fois, 3 fois. Mais ils étaient là. Je savais. Mais ils se décourageaient pas. Et après, je donnais. Ils savaient que c'était préparé. Et je les donnais. À donner mes commandes, j'avais décidé. Je voulais qu'ils viennent, moi. Je viens, je ne sais pas pourquoi. Je voulais qu'ils me demandent. Je voulais qu'ils me demandent. Mais c'est ça, des fois, le Seigneur, il veut qu'on lui demande. On persévère dans la foi, dans la prière, il veut qu'on persévère. Même s'il ne donne pas tout de suite, il veut qu'on persévère. C'est préparé. C'est préparé. Alors il va nous le donner, parce que c'est préparé. Les bienfaits de Dieu sont préparés pour nous. Pour nos enfants, nos familles. C'est préparé. Il va le donner. Il va le donner parce qu'il est Dieu. Que son nom soit béni. Alors, il y a un passage dans la parole du Seigneur, c'est là où je voulais en venir, par rapport à la progression spirituelle. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 20, puis alors, on va lire Hébreux 11, 23. Il y a cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon l'accueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Hébreux 11, 23, il dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais parler d'un petit foyer qui aimait le Seigneur comme nous ce matin. Amram et Yochebed, foyer juif qui vivait dans le pays d'Égypte, sous l'esclavage, sous l'oppression des Égyptiens. La Bible, elle nous dit qu'ils croissaient et ils multipliaient. Et qu'ils devaient venir en plus grand nombre même que Pharaon, le roi d'Égypte, pour avoir de la crainte dans son cœur. Et je regardais, Seigneur, comment Dieu prépare quelque chose pour un homme, pour une femme, peu importe, pour un foyer. Quand Dieu prépare quelque chose, il faut la foi. Il dit, c'est par la foi que cette femme, elle a nourri ce petit bébé. Elle l'a caché pendant 3 mois, excusez-moi. C'est par la foi, ce petit foyer, puis regardez la parole du Seigneur. Amram, ça veut dire peuple élevé. Et Yochebed, l'éternel est gloire. Quelle belle signification dans les noms que Dieu donne. Ça veut dire peuple élevé et l'éternel est gloire. Et dans nos réunions, dans nos maisons, qu'il faut que la gloire de l'éternel soit celle qui réside premièrement dans nos maisons. Et c'est David qui va dire ça. Je suis dans ma joie quand on me dit allons dans la maison de l'éternel. Allons dans la maison de l'éternel. Parce qu'il sait que dans la maison de l'éternel, il y a la présence de Dieu. Bien qu'il est dans nos maisons, mais il sait qu'il y a la présence de Dieu. Quand Moïse entrait dans la tente d'assignation, il dit que la nuit elle venait et que Dieu parlait avec son serviteur. C'est ça la maison de Dieu. Ça doit être notre maison. Notre maison, c'est la maison de Dieu.
On doit vivre la vie de Dieu dans nos maisons. Pas simplement à l'église, mais chez nous. On a besoin d'apprendre encore, de revenir au commencement, de le faire passer le premier. Alors tu me diras, tes enfants, dans le foyer de mes parents, on était 6 enfants, nous. On était tout petits. 4, 5 ans, 8 ans, 6 ans, et on était 6. Tous les matins, et mon père et ma mère, ils étaient sur le lit, les 6 enfants, ils étaient là, ils nous faisaient prier le Seigneur. Tous les matins, en vérité. Après, je grandissais, je ne pouvais plus aller, moi. 12 ans, j'avais un petit peu honte. Mes copains, je ne sais pas s'ils le faisaient ou pas. 12 ans, 13 ans, après, je ne le faisais plus. Mais ça reste dans le cœur. Amen. Ça reste dans le cœur. Quand la parole de Dieu imprègne notre cœur, à un moment ou à un autre, elle ressort. Et elle apporte la bénédiction par la parole de Dieu. C'est bon, mes frères et sœurs. C'est bon de parler de Dieu à nos enfants, à nos familles, à notre entourage. C'est bon de parler de Dieu. À un moment ou à l'autre, jette ton pain sur un jour, tu le retrouveras. Quand je sais que tu le retrouveras, c'est Dieu qui nous parle. Et puis je le regardais en vérité. Vous savez à combien ils sont arrivés en Égypte, le peuple. Ils étaient 70. 70 personnes, ils sont arrivés en Égypte. Et ça s'est passé parce qu'en réalité, il y a eu un conflit dans un foyer. Les frères de Joseph, ils étaient en conflit ensemble. Et puis, ces frères-là, ils vont avoir de la haine et de l'aversion pour leurs frères. Puis des fois, je le dis, Seigneur, des fois, quand Dieu veut servir de quelqu'un, c'est pas un message. Quand Dieu veut servir quelqu'un, quand Dieu révèle quelque chose à quelqu'un, Joseph avait été prévenu par songe. Il est prévenu par songe, peut-être qu'il ne le comprenait pas. Même son père, par un moment, il ne le comprend pas. Il dit, veux-tu que moi, ta mère, et là, on se prosterne devant toi. Mais il dit que le père, il garde ça dans son cœur. Il garde, parce qu'il sait, il connaît, certainement que Dieu a parlé à son fils. Et la haine va augmenter dans le cœur des frères. Et des fois, on est mal compris, des fois. On est mal compris, moi, des fois, les chrétiens. Dans notre entourage, des fois, on est mal compris, même par nos enfants. Des fois, on est mal compris. Des fois, on est en conflit, même avec nos enfants, des fois. On est en conflit dans le foyer avec nos familles, des fois, on est en conflit, on est mal compris. Mais dans nos cœurs, quand Dieu dépose quelque chose, il va être vendu par ses frères. On sait, Seigneur. Il va être vendu, il voulait le tuer. Il ne voulait pas le vendre, il voulait le tuer. Il voulait le détruire. Là, c'est les frères, il voulait le détruire. C'est fini, on va voir ce que ces gens vont venir. On va le tuer, et puis Ruben va se dire, non, je ne sais pas. Il avait l'intention de le délivrer, et puis Judas avait des photos, on va l'acheter dans la citerne. On va le mettre là, et puis ils l'ont vendu. Et puis je pensais, Seigneur, quelle importance quand Dieu est avec nous. Quand Dieu est dans nos cœurs, quand Dieu accompagne un chrétien, une chrétienne, Seigneur, malgré les difficultés, les problèmes, les peurs, les doutes, quand Dieu accompagne les serviteurs, vous voulez l'égoïsme, quand Dieu accompagne nous. Alors il part, oui, dans cette caravane de Madianites. Son père, il laisse son père, il ne met pas. Ses frères, certainement, ils vont nous regarder partir, voilà, allez, on est débarrassé. Peut-être qu'il n'y a plus de soutien de sa famille, de son père, de sa mère, de des serviteurs qui l'aimaient bien. Mais adieu. Quelle bonté, c'est bien. Amen. Il y a Dieu. Samuel l'a dit. Quand il y a Dieu, c'est vrai, on n'est pas compris. Il y a Dieu. Alors il part, il est là. Et puis quand il rentre dans la maison de Potiphar, je pensais, Seigneur. Il Potiphar va voir qu'il y a quelque chose. Il va voir que Dieu est le béni. Et puis, dans la maison de Potiphar, il va être béni. Et puis j'ai été frappé par peur en disant, c'est pas le message. Mais j'étais frappé en lisant la parole de Dieu. C'est que quand Joseph va rentrer dans la maison de Potiphar, va tenir vers lui. Il va bénéficier de ce que Dieu apporte à Joseph. Il va se soucier que de manger et de boire. Plus de son travail, plus de son commerce, plus des champs. C'est Joseph qui va gérer. Et lui, simplement, va se mettre à table, manger, boire. Il va avoir confiance. Mais quand Dieu. Et avec un homme, il approuve ses voies. Amen. Jésus, quelle beauté, c'est moi. Quand Dieu est avec un homme, il approuve ses voies. Même les migrants devant lui. Il dispose même le cœur de ses ennemis favorablement. Amen. Parce que Dieu est avec lui.
Quand Dieu est avec nous, mes frères, malgré l'oppression, l'entourage, et puis il va se passer un fait encore, et là il va se retrouver dans la prison. Et je pensais, Seigneur, dans la prison, même le chef de la prison, il va lui donner une autorité. C'est lui qui va surveiller. Il va lui donner, il va le bénir même dans la prison. Et dans la prison, il va se passer un fait. Il va y avoir un songe, d'un paletier et d'un méchant. Et avec le Seigneur, il va dire ces chants. Et puis je pensais, Seigneur, et il va dire à les chansons, quand tu seras sorti, quand Pharaon t'aura rétabli, ne m'oublie pas. Voilà ce qu'il va dire. Quand tu sortes, ne m'oublie pas. Et je pensais, Seigneur, vous savez, il avait 17 ans. Joseph, quand il est parti là, 17 ans. Et là, il a à peu près 30 ans. Regardez. Il dit, ne m'oublie pas. Et puis là, il est dans la prison. Et puis les chansons, il est rétabli. Et puis il fait sa vie. Et toujours. Et dans mon cœur, Seigneur, il me disait, Seigneur. Parce que des fois, c'est comme ça. Des fois, on oublie même. On nous oublie même dans les prières. On oublie tout le monde, des fois. Il y a tellement de cœur, des fois, on oublie. Mais Dieu, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Mais Dieu, il a vu que son fils, la Joseph, était dans la prison. Et puis, il va avoir encore un fait. Et les chansons vont se réveiller. Il va dire, dans la prison, là-bas, il y a un homme qui connaît, qui sait. Lui, il est capable. Lui, il est capable. Et puis, Pharaon va l'établir. Il va au-dessus. En dessous de Pharaon, c'était Joseph. Il va lui mettre son sang. Il va diriger le pays comme ça. Puis il va y avoir une famille, je vous attends. Il va y avoir une famille. Et puis le père de Joseph et ses frères rentrent en une famille. Et puis ils vont venir au pays. Joseph va les faire venir, je ne vais pas l'expliquer, mais il va les faire venir au pays. Ils vont être bénis. Donc, Pharaon va les faire venir tes frères. Il y a du pain pour tout le monde en Égypte. Et puis il y en a 170 personnes. Et je pensais, Seigneur, quand Dieu fait une promesse. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il dit, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que le sable de la mer, et puis dans notre passage, que les étoiles du ciel. Et Abraham, il quitte tout. Il quitte son pays sur un mot de Dieu. Et là, ils sont 70. Ils arrivent en Égypte. Et Dieu est béni. Et Dieu est béni. Joseph va mourir. Et toute cette génération-là va mourir, mais il va y avoir un homme, pendant qu'il n'a pas connu Joseph. Et il va prendre en réalité en aversion le peuple de Dieu. Parce qu'il va voir que le peuple de Dieu, même dans le pays d'Égypte, même en réalité où c'est pas possible de s'épanouir, eh bien Dieu, lui, il fait prospérer son peuple. Il fait grandir son peuple. Mais la maison de Dieu, elle grandit. Elle grandit, elle prospère. Peu importe le territoire que tu es, peu importe dans quelle maison tu es, que Dieu est capable de faire grandir autour de toi la bénédiction. Il est capable de changer les circonstances, capable de transformer les ténèbres en lumière. Parce qu'il est notre Dieu. Parce qu'il vit dans nos cœurs. Quelle est ton attente? Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu, Joseph. Et il dit, on va se montrer habile à son égard. On va se montrer habile. On ne va pas venir tout de suite demander de les arrêter. On va essayer de les arrêter, on va leur donner des travaux. On va leur donner du travail. Afin qu'en réalité, ils soient fatigué, oppressé, qu'il n'a plus le temps de rien en réalité. Afin que la progression elle s'arrête. Parce que la crainte de Pharaon, il dit si la progression elle continue comme ça, ils vont venir plus puissants que nous. Et si un ennemi vient nous combattre, ils vont peut-être se joindre à notre ennemi. Et en profiter pour sortir de l'esclavage. Mais l'ennemi veut garder. Veut garder nos enfants. Regardez les rétrogrades, regardez nos familles, nos parents, peu importe, ils veulent les garder dans ses griffes, afin de les garder à sa disposition,
Alors on va se montrer habile. On va essayer, mais plus on l'outrageait, plus il prospérait. Plus on l'outrageait, plus il grandissait, le peuple de Dieu. Même dans les épreuves, mes frères et sœurs. Même dans les difficultés, même dans les pleurs. Quand il y a la confiance en Dieu. Quand il y a la foi dans les promesses de Dieu. Il y en a qui ont passé des épreuves très difficiles. Mais il y a Dieu. Alors la maison, elle continue de grandir. Le mur s'élève. Quelle beauté, Seigneur. La maison, elle grandit. Ah oui, des fois, il y a des pleurs. Ah oui, des fois, on est à genoux dans notre chambre, on prie le Seigneur. Oui, des fois, il y a des comment et des pourquoi. On dit pourquoi, Seigneur. Jusqu'à quand, comme disait David, Seigneur, mais tant qu'il y a la foi dans le cœur, alors il y a de l'espérance. Alors il y a de la joie, et on a dit sur des ruines. Sur des ruines, on a dit. C'est quoi une ruine? Il y a des ruines, des fois, on ne les voit même plus. Tellement ils sont recouverts par le temps, par la poussière. Ils souffrent. Ils secouent les pierres et la jeunesse. On va rebâtir. La maison a été détruite, on va rebâtir. Parce que je suis l'éternel et le Père. Je suis le Père et le Père. On va rebâtir. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors il veut arrêter. Et puis je pensais, Seigneur, le Pharaon est un homme mauvais, il est typifié comme l'ennemi de nos âmes, en ce moment. Et puis je pensais, Seigneur éternel, alors on dit, on va faire encore quelque chose. On va détruire les petits garçons. Et on va laisser vivre les petites filles. Afin qu'il s'arrête. Et puis il va commander les femmes de faire leur travail, mais avec un édit. Vous allez faire mourir les petits garçons. Et la Bible dit que ces femmes-là, ils vont craindre l'Éternel. Mais ces femmes-là, ils ne vont pas écouter la voix du Pharaon. Pourtant, c'est des Égyptiennes. C'est des Égyptiens. Ils sont ignorants, ils ne connaissent pas réellement en réalité. Ils ont certainement entendu parler. Mais ils vont, ils craignent l'Éternel. Et ils ne vont pas faire. Il aura la facilité. Alors il a commandé à son peuple. Il a commandé de jeter tous les petits bébés, les premiers-nés dans le Nil. Il le pensait, mais qu'il est mauvais, il dit, Seigneur. Comment il veut détruire? Comment il veut enlever? Comment il veut ôter, Seigneur? La joie, la paix, l'espérance que Dieu a mis dans nos cœurs. Le Seigneur, ce matin, voudrait te dire que l'espérance soit toujours dans son cœur. Et la parole de Pharaon, elle est entrée dans la maison de Amram et Yochebed. La parole de Pharaon est certainement comme tous les parents. Certainement comme tous les parents. Quand la parole de Pharaon est entrée dans la maison d'Amram et Yochebed, peuple élevé, éternel et gloire, il y a eu de la crainte dans leur cœur. Ils n'étaient pas les seuls concernés, mais ils savaient que quand Pharaon dit quelque chose dans le pays, ben il l'exécute. Il le fait parce qu'il est Pharaon, et pendant 3 mois, ils vont cacher le petit bébé là, dans la maison, avec certainement beaucoup de crainte, beaucoup de peur, beaucoup de comment, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est dur de fermer la bouche à un petit nourrisson quand il pleure. C'est dur quand on a de la crainte que l'ennemi entend les pleurs et vienne dans la maison pour enlever, pour détruire. On a peur, mais on a Dieu. Elle va le cacher par la foi, il nous dit. Mais elles ne pourront plus le cacher. C'est ce que nous enseigne la parole. Ne pourront plus. Des fois, on est dans l'incapacité dans nos maisons d'apporter quelque chose. Des fois, on est maladroit. On voudrait faire devancer les choses. On est maladroit. J'ai parlé des fois à mes enfants, moi. Ils ne voulaient plus m'écouter parler. Parce que des fois, on est maladroit. Mais ce qui redresse toute chose, c'est la parole. Ce qui redresse les choses, c'est la parole. Ce qui donne un sens à la vie d'un homme, d'une femme, c'est la parole. Et la Bible dit ça, Seigneur. Elle ne pouvait plus le cacher, alors elle a décidé de faire quelque chose.
elle a décidé de faire un petit berceau. Et je pensais, Seigneur, elle l'a fait, ils disent que c'est elle qui l'a fait. Mais le Père était là. Dans le foyer, on est deux, mais des fois, on est tout seul. Des fois, on est tout seul dans le foyer. Soit le mari, les convertis ou la compagne, mais on a quelque chose dans le cœur. On a de l'amour. De l'amour pour nos enfants. Alors on voudrait qu'ils participent à la bénédiction. On voudrait qu'ils participent à la grâce de Dieu. Alors elle va faire ce petit foyer, ce petit berceau, là, avec son cœur, elle va le faire. Elle va le faire avec son cœur. Elle ne sait pas ce qui va devenir. Elle ne sait pas comment ça va se passer. Mais elle va le faire avec son cœur. Elle sait que l'ennemi est puissant. Elle sait que le nid est dangereux. Elle sait qu'un petit berceau comme ça, c'est comme on dit. Il n'y a pas de sécurité. Mais elle le fait tout son cœur. Elle va prendre des jambes. Et puis elle va tresser un petit berceau avec ses mains, Seigneur. Et je pensais que c'est ce qui me faisait penser, Seigneur. Il dit que nous sommes dans sa main. Et que nul ne vous ravira. Nous sommes dans la main du Seigneur. Amen. C'est un grand Dieu prend quelque chose dans ses mains. C'est dur de l'enlever. Si c'est nous qui partons de nos propres forces, nos propres désirs. Elle l'a fait avec ses mains, bien père, quand il y a un danger pour ses enfants. Il prend, il arrache ses mains. Les mains, les prend. Des fois, il y a quelqu'un qui vient devant nous, le petit peur est sauvé, on est derrière, on est là derrière nous. Puis on se met devant. Parce qu'on veut plutôt prendre nous que lui. C'est l'amour d'un père, ça. L'amour de Dieu, alors. C'est pas plus grand que mon amour à moi. L'amour de mon Père, qui est dans les cieux, qui a donné son Fils, bien-aimé, Jésus-Christ. Elle n'est pas plus grande que mon amour à moi. L'amour de mon Père. Seigneur, si on réaliserait, Seigneur. C'est pour ça qu'il dit le verset, tu aimeras. C'est le premier promis, tu aimeras l'Éternel. Et oui, Seigneur, il est tellement bon, pour nous. Des fois, nous voudrions que ce soit une ardeur de notre volonté qui s'accomplisse. Et c'est la volonté de Dieu qui a besoin. Et la volonté de Dieu, elle est bonne pour chacun de nous. Et je pensais, Seigneur, elle va enduire du bitume et de poids. Et elle va déposer le petit bébé à l'intérieur parmi les roseaux. Et je pensais, Seigneur, comment qu'elle a fait cette femme-là? Comment qu'elle a fait cette femme-là pour faire ce petit berceau? Comment il devait y avoir de la crainte dans son cœur? Il y en a qui sont minutieux. Moi, je fais mon travail, des fois, il y a des fois. Parce que je ne suis pas minutieux, mais là, c'est la vie de mon petit, je m'attendrai. C'est la vie de mon enfant. Alors là, il faut que je sois minutieux. Il ne faut pas qu'il y ait l'eau qui rentre à l'intérieur. Il faut que les roseaux soient bien pressés. Et je vais l'essayer avant dans l'eau, mais avant de... Je vais l'essayer, je vais appuyer dessus, voir si... Si vous êtes capable de submerger, je vais essayer, parce que je vais aller au Nil, je vais revenir, je vais essayer, je vais prendre soin du petit berceau. Parce que je veux voir. C'est ça qu'on met nos enfants dans les mains du Seigneur. On n'a pas besoin de le faire. C'est lui qui fait. On peut lui faire confiance. Amen. Et elle va le mettre, là, ce petit bébé, là, dans le berceau. Et puis, sa petite sœur, elle va suivre. Tout là, en réalité. Et je pensais, Seigneur, quand elle a mis ce petit bébé, c'est un foyer qui connaît Dieu. Un foyer qui connaît Dieu. Il connaît ce que Dieu a fait pour le peuple. Promesse à Abraham, ici. Il connaît l'histoire de Joseph, que Dieu a béni la maison. Et puis je pensais, Seigneur, on ne peut pas faire en réalité. Si on peut faire avec nos mains, les enseignants, mais on a aussi besoin de se mettre à genoux. Et de prier le Seigneur. D'accompagner nos enfants dans la prière. Mettre nos enfants dans la main du Seigneur. La prière est efficace, mes frères. On l'a vu, des fois on voit autour de nous et ça a été dit ce matin, je ne sais pas qui l'a dit. Je ne sais pas si c'est un grand doute. Des fois on le voit et puis on a du courage. Parce qu'on a nos familles qui viennent pas à Dieu. Moi j'ai tous mes beaux-frères, pratiquement ils ne sont pas chrétiens, on les voit et puis dit Seigneur. L'autre jour, je regardais mon beau-frère, il était en train de travailler, rigoler. C'est un âge, moi, je me réveillais, c'est moi, je disais, j'ai de la tristesse dans mon cœur. Parce qu'il appartient pas à Dieu. Ah, il n'y a pas plus de mérite que les autres. Le Seigneur aime tout le monde. Il y a une compassion dans mon cœur, il dit, Seigneur, il faut que je prie pour lui. Il
Il a besoin. Amen. Il a besoin. Ils ont besoin. Alors on fait tout, j'essaye de leur parler de Dieu comme on fait. On essaye. On essaye de leur dire un mot de Dieu. Mais la prière, c'est encore une main du Seigneur. Faut, le Seigneur l'a remis dans les mains de Dieu. Et ce petit garçon-là, il va partir. Et il va aller dans la maison de Pharaon. Et je pensais, Seigneur. Les frères, je pensais. Et la fille de Pharaon va le voir et elle va voir que c'est un hébreu. Et elle va voir, la petite soeur, elle va s'approcher. Elle va dire, il me faudrait une nourrice. Et la fille, elle va chercher la mère de l'enfant. Elle va chercher la mère de l'enfant, elle est là, elle me suit, mais il y a toujours le regard. On n'abandonne pas. On ne prie pas le Seigneur, le Seigneur va. Non, on est là. On regarde. On le voit. On a besoin de voir. Hein, on a besoin de voir la main de Dieu dans nos maisons. Dans nos foyers, pour nos enfants, on a besoin. Alors on regarde de loin des fois, le Seigneur ne bouge pas. Vous voyez dans la maison, comme on sait des fois. Quand il y a nos familles qui viennent, les inconvénients dans l'homme, on est là, regarde Seigneur, si seulement on voit. On est là, regarde. Et puis la petite parole va s'énerver, elle aurait besoin d'une nourrice. Elle dit, va me chercher une nourrice, je te paierai dans sa salaire. Et là, le petit bébé, je pense, c'est bon. Elle l'a gardé 3 mois, elle est revient dans la maison. Et c'est bon, Seigneur. Et puis je pense, on va lui revient dans la maison. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, la mère? Il avait 3 mois, et elle aurait la nourrir, ce moment-là, comme tous les petits bébés. Au lait. Son volet, hein. Et lui, c'est volé, hein. Il va se porter, il va rentrer, c'est la viande, et puis c'est le plus solide. Et puis là, peut-être, il dit, j'ai pas quel âge qui vient. On lui demande les 3 ans, 4 ans, 50 ans. Et là, elle va essayer de lui parler, je sais, dans mon cœur, elle va lui parler de l'œuvre de Dieu. De ce que Dieu fait. Les promesses de Dieu. Ce que Dieu a fait pour son peuple. Ce que Dieu est capable de faire. Elle va certainement lui dire des mots, quelques mots. Afin qu'il puisse grandir, je pensais, Seigneur. Et la Bible, elle dit comme ça. Quand il fut grand, quand il a grandi, c'est maintenant ça. Quand il a grandi, alors il retourne dans la maison de Pharaon. Et je pensais, en vérité, Seigneur, c'est terrible. On fait ce qu'on veut pour nos enfants. Au début, il est dans les mains de Dieu, Dieu ramène. Parce qu'il avait besoin de la nourriture solide. Le lait, 3 mois caché, c'est pas suffisant. Il avait besoin de la vraie nourriture, la parole. Il avait besoin de la parole, il avait besoin de la connaissance de ceux qui aimaient Dieu, ceux qui servaient Dieu, ce que Dieu était capable de faire pour un peuple, les promesses de Dieu à Abraham. Il avait besoin de savoir. Il avait besoin de savoir. Il avait besoin de voir. Comme Jacob dit, l'Éternel est en ce lieu, on ne le savait pas. Il avait besoin de dire que l'Éternel, quand on l'invoque, il répond. Il répond. Et puis il est dans la maison de Pharaon, et puis j'ai lu tout à l'heure, il va être élevé dans la science, dans la connaissance des Égyptiens. Et il va être puissant en parole et en œuvre. Et je pensais que Dieu, il est quand même dans la maison de Dieu. Il est quand même dans la maison de Dieu. La fille de Pharaon, elle sait que c'est un Égyptien. Et Pharaon, elle le sait. Est-ce que Pharaon, je vais vous poser la question alors. C'est pas marqué dans la Bible, mais des fois, c'est le sens. Si ça peut être comme ça, Pharaon, il prend et il emmène dans sa maison. Il enlève de la maison de Dieu, de l'église, de Dieu, il l'avait élevé dans sa maison, et là, il va reprendre. Là, il va lui donner. Là, il va le nourrir. Il va lui donner des richesses. Non, c'est pas possible, c'est Dieu. Il va être puissant en parole et en œuvre. Alors, c'est pas marqué si Pharaon savait que c'est un Égyptien. Mais en méditant la parole de Dieu, je dis, Seigneur, est-ce qu'il a été ignorant? Mais l'ennemi, nos âmes, quand il arrache les terres, quand il l'arrache et il l'attire, même que la parole a été soulevée dans le cœur, il l'attire, par toutes sortes de choses, et évident. Et il dit, alors, on va le garder. On va le garder. Au bout d'avoir la famille à côté de la fille. La famille va souffrir parce que je vais le garder. Regarde, je vais donner. Même qu'il est dans la maison de Pharaon, même si Pharaon était conscient que c'était un Égyptien, mais les parents ont continué à espérer dans les promesses de Dieu, espérer dans la parole de Dieu. Combien de fois on l'a vu? Combien de fois on a vu Dieu agir? Malgré que tout nous paraît au plus noir, au plus sombre,
Puis en réalité, il n'y a pas de solution. Dieu change et transforme la situation. Parce qu'on a foi dans les promesses de Dieu. Et dire, mais certainement avoir de la souffrance. Hein. C'est pas le film qu'on voit les 10 commandements, c'est pas ça. Il y aura de la souffrance, il y en avait dans les maisons, mais certainement qu'il descend pour quelqu'un. Oui, il voyait son peuple. Parce que je pensais, Seigneur, c'était quelqu'un, oui. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vivante, que le nom du Seigneur soit béni. Dans Hébreux 4, au verset 12, c'est marqué comme ça. Car la parole de Dieu est vivante. Amen. Et efficace. Alléluia. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Amen. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est plus puissante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle coupe de deux côtés l'épée du monde. Mais la parole, elle est plus tranchante. Et je pensais, Seigneur, à quel moment, à quel dans quelle situation Moïse s'est rappelé de la parole. Moïse s'est rappelé de l'œuvre de Dieu de ses parents. Et qu'il était capable, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de la parole, de faire un partage, de faire un tri, de faire un bilan, de regarder en réalité le monde et Dieu. À quel moment il a pris conscience dans son cœur que Dieu l'aimait, que Dieu voulait son bien, que Dieu voulait sauver. À quel moment? Il y en a, ils ont été touchés par Dieu dans les moments les plus sombres de leur vie, dans les moments les plus noirs. Ils ne voyaient plus l'espoir. Jonas était au plus profond, aux racines des montagnes. Et il a parlé à Dieu. Il a prié Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est tout-puissant. Parce que c'est lui qui bénit son peuple, son église, ses enfants. T'as de l'importance aux yeux de Dieu, il t'aime. Amen. Alors il me tend bien. Amen. Il me tend bien ce matin. Parce qu'il est aime. Et je pensais, Seigneur, des beaux habits, des beaux vêtements. Ah, c'était pas notre siècle à nous, hein. Avec quoi il aura tiré là, l'ennemi là. Avec quoi il attire nos enfants, l'ennemi. Avec quoi il attire nos enfants. Mais il était bien. Et puis, la parole, elle est capable de transformer, de trancher, de séparer les ténèbres d'avec la lumière. Elle est capable de prendre nos enfants qui sont dans les ténèbres et de les ramener dans la lumière. C'est la parole de Dieu. C'est la puissance de la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour nous. Pour nous, mes frères et sœurs. Pas simplement pour les autres qui les ont vécu. Pour nous. T'en as besoin ce matin. T'en as besoin ce matin, j'en ai besoin. Pour nous, c'est la parole de Dieu. Je la connais, la voix de mon père. Quand mon père m'appelle au téléphone, tout de suite, je sais, je la connais. Mais la voix de Dieu, je la connais aussi. Quand il fait une promesse dans mon cœur, je sais, je connais sa voix. Et je m'attends à lui. Ce matin, Dieu voudrait ranimer la flamme dans nos cœurs. Par la foi dans la parole. Par la foi dans les promesses de Dieu. C'est ce qu'il voudrait le Seigneur. Quelle joie pour les parents quand il est revenu dans la maison. Quelle joie pour le père et la mère quand le fils est revenu comme le fils prodigue. Le père l'attendait. Le père n'a pas jugé. Le père attendait. Mettez-lui la plus belle robe. Peut-être qu'elle n'est pas belle, la robe, tu la connais peut-être la robe, toi. Elle n'est pas belle. Mais il y a une robe pour lui. C'est le père qui l'a mis de côté. Amen. Elle est pour lui. Que son nom soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de celui qui est tout puissant soit béni. Elle est pour lui. Il y a une robe pour lui, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos familles. Il y a les robes encore.
Il faut qu'on garde la foi. Il faut que la foi soit dans nos cœurs. Il faut qu'elle, même si elle n'est pas grande, il faut qu'elle grandisse. On va lui faire confiance. Si tu as mis la foi dans la graine, c'est pas grand. Seigneur, mais la foi, elle fait déplacer les montagnes. Elle déracine. Elle déracine la foi. Et elle plante dans. C'est la foi, dans la promesse de la parole. Je termine en disant merci à la parole du Seigneur. Un petit peu long, excusez-moi. Hébreux 11, chapitre 24. Il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux à être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, sur la récompense. T'as déjà parlé de la récompense à tes enfants? Hein, quelle récompense? T'as déjà parlé du ciel à des enfants d'espérance? Seigneur, on a des mots durant notre vie. C'est pas toujours facile. C'est dur parfois. Mais regarde un petit peu l'œuvre que le Seigneur a fait. Réjouis-toi de l'œuvre que le Seigneur a fait déjà. Et réjouis-toi de celle qu'il va faire encore. C'est la foi, ça. Réjouis-toi de celle qu'il va faire encore. C'est la foi. Il a préféré, je pensais, Seigneur, salaire, cette récompense, rémunération. Et je vais terminer par ça. La parole a de l'importance. Il est la parole. Rien n'a été fait sans lui et sans la parole. Et au commencement, Dieu créa, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres parce qu'il a vu que la lumière était bonne. La parole, elle sépare. La parole, elle vit. La parole, elle agit. La parole est riche. La parole est puissante. La parole, elle est vraie. La parole est pleine de promesses. Et la parole, elle donne de l'espérance dans le cœur. C'est la parole de Dieu, frère et soeur. Comment pas faire confiance à un Père, à un Dieu si merveilleux. Je vais terminer, Seigneur. Je voudrais qu'un frère prie, Seigneur. Je vais demander à Totof de prier, Seigneur.